Jodian, moi je viens à Philippe Contland parce que c'est la première institution que nous venons visiter. La Cour des comptes, c'est une institution qui est essentielle, qui est importante pour l'État. Il est important pour contrôler l'action dans l'État au niveau des finances. Il est important aussi pour le bail justice, ça veut justice dans l'administration, justice administrative. Nous devons où est la Cour des comptes et nous déconscients de travailler avec eux. Pour nous dire tout d'abord que nous comptons que une institution qui a marché dans un environnement très difficile. Nous devons dire tout que nous besoin pour contrôler ça n'a fait parce que nous croyons que l'État pas qu'à marcher sans pas un contrôle. Ça a eu les rédictions des comptes. C'est-à-dire, l'État fait dépenser l'argent, et même avant de dépenser, il faut gagner des contrôles sur lui. Et nous voulons contrôler l'État. Nous remercions parce que nous kembe, nous baillons rapport, nous baillons jugement, et qui nous permettent que l'État pas fin dérailler. Je dis, Président, nous disons merci pour ça, vous fait pour nous. Ou kembe payant dans certaines directions. Et nous devons dire tout que nous disposons conformément à la loi, tendez à vie, soumettre à jugement de la Cour, parce que c'est uniquement les nappes fait comme ça que nous avons construit l'État et que nous avons un État plus juste et un État qui respecte la loi. Merci. Merci PM. C'était un plaisir pour nous, dans tous les votes, pour nous tenir au échange avec PM Ariel Henry, qui a décidé de visiter le Tribunal supérieur des comptes de compétence administrative. Et nous avons échangé sur un ensemble de points que nous estimons qu'il est indispensable. Si nous voulons gagner nos pays, qui chita sous l'édition des comptes, qui chita sous l'état de droit, qui chita sous le rôle et attribution de chaque monde de l'État. Et le Premier ministre Ariel Henry promet que le gouvernement là, c'est un gouvernement qui a appliqué la loi. C'est un gouvernement qui a pris en considération les remarques et les recommandations de la Cour que la Cour a bien pour le produit sont ensemble de rapports et sont ensemble de documents que vous soumettez. Les Cour a émettre des avis sur des projets de contrat. Il prend engagement pour rencontrer le reste gouvernement pour demander une priorité à la lumière de la loi, priorité en application de la loi et pour être capable de permettre que pays ça il sorti dans marasme économique qu'il y a que pays ça il sorti dans situation que tout le monde connaît qu'il y a. Nous sommes contents, c'est un plaisir pour te rencontrer PM là avec tous les conseillers pour te faire journée d'échange ça journée de travail ça que nous pensons que le pays a gagné pour lui satisfaire et bénéficier du travail ça que nous faisons journée aujourd'hui si tout le monde respecte effectivement, ça qui dit dans la loi. Merci. Ok, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
Bonjour la presse écrite et télévisée. Moi, c'est le représentant droit de l'homme au CDPDH. Nous avons un programme depuis l'année passée, en 2021, depuis le mois de novembre 2021, qui c'est SOS Recours pour prisonniers qui pas jamais jugé, pour prisonniers qui sont en prison, qui n'ont pas jamais relé. Mais le problème nous venons gagner, c'est parce que nous avons plusieurs fois nous extraits prisonniers venir la justice, qui ont certains de greffiers déosés par le pour venir. Mais ça, monsieur fait. Moi apprendre depuis que ce n'est pas commissaire PAL, base PAL, qui est dans l'extraction, il n'y a pas de venir. Moi-même, je dénonce ça en tant que droit de l'homme, je dénonce ça pour la justice pencher sur ça. Et je dénonce ça si monsieur, parce que ça a fait un assigné, et nous prenons dans l'inspection générale pour nous porter plainte pour lui. Parce que policiers, c'est auxiliaire de la justice. Ils n'ont pas nul droit si la justice voit les prisonniers dans la prison pour dire pas voyer. L'extraction, ça a lié mané de qui juge? Lié mané de commissaire Joël Toussaint. Qui t'a, qui t'a représenté jeudi à 10h. Mais quand il y a 11h, monsieur dit pas voyer. Besoin qu'on est-ce que monsieur est plus fort que la justice? C'est ça besoin qu'on est. C'est ça fait jeudi en la mois passé. Le commissaire Banon, tu fais C'est pas commissaire. Monsieur c'est greffier général prison. Non, c'est qu'est-ce que ce greffier prison. Il dit pas voyo. Nous subissons ça plusieurs fois, il pas jamais veut voyo. Il y a une seconde liste de détenus et normalement tu as supposé. Oui. C'est extrêmement. Oui, nous avons 5 détenus. Mais certificat de couyo qui prison en Tébanon. Mais yo là, nous avons certificat de couyo qui prison en Tébanon couyo. Mais yo là. Continuez. Tous ces certificats de couyo prison en Tébanon qui là. OK. Je dis on a dénoncé ça en tant que droit de l'homme. Je dis ceux qui sont demandés même en. Ceux qui sont demandés. Je dis à mais qui ça m'a demandé. M'a demandé que est-ce que policier, est-ce que greffier qui est en prison a plus opportunité, plus maturité, plus effet, plus autorité que autorité judiciaire? C'est ça que je demande. Je dénonce ça. En tant que droit de l'homme, je dénonce ça. Pour la justice, pour ton correction, pour voir les déroger, pour demander qui s'allie. Vous êtes avocat de la barre? Non, mi balai. D'accord. Non, bon, c'est tout. Rappelez-nous, non. La tortue Marie Nathanaël. D'accord, merci. Jeudi, je viens à Kibé Contlan parce que c'est la première institution que nous venons visiter. La Cour des comptes, c'est une institution qui est essentielle, qui est importante pour l'État. Il est important pour contrôler l'action dans l'État faire au niveau des finances. Il est important aussi pour bail justice, ça veut dire justice dans l'administration, justice administrative. Nous devons où est la Cour des comptes et nous avons conscience de travailler avec eux. Pour nous dire tout d'abord que nous comptons que une institution qui a marché dans un environnement très difficile. Nous devons dire tout que nous avons besoin pour contrôler ça n'a fait parce que nous croyons que l'État pas qu'à marcher sans pas de contrôle. Ça a eu les rédigeants des comptes. C'est-à-dire, l'État a fini de dépenser l'argent et même avant de dépenser, il faut gagner des contrôles. Et nous voulons contrôler l'État. Nous remercions parce que vous avez un rapport, vous avez un jugement et vous permettez que l'État pas fini de dérailler. Je vous dis, Président, nous disons merci pour ça qu'on fait pour nous. Ou qu'un pays dans certaines directions. Et nous devons dire tout que nous disposons conformer nous à la loi, tendre à vie, soumettre à jugement de la Cour, parce que c'est uniquement les nappes fait comme ça que nous avons construit l'État et que nous avons un État plus juste et un État qui respecte la loi. Merci. Merci PM. C'était un plaisir pour nous, dans tous les votes, pour nous tenir au échange avec PM
Ariel Henry, qui a décidé de visiter le tribunal supérieur des compétences administratives. Et nous avons échangé sur ensemble de points que nous estimons qu'il est indispensable si nous voulons gagner nos pays qui chita sous l'édition des portes, qui chita sous sa rue l'état de droit, qui chita sous rôle et attribution chaque monde doit jouer. Et le Premier ministre Ariel Henry promet que le gouvernement là, c'est un gouvernement qui a appliqué la loi. C'est un gouvernement qui a pris en considération les remarques et les recommandations de la Cour que la Cour a bien pour le produit sur ensemble de rapports et sur ensemble de documents que vous soumettez. La Cour a émis des avis sur des projets de contrat. Il prend engagement pour rencontrer le reste du gouvernement pour le demander une priorité à la lumière de la loi, priorité en application de la loi et pour être capable de permettre que le pays sorte dans le marasme économique qu'il y a, que le pays sorte dans la situation que tout le monde connaît qu'il y a. Nous sommes contents, c'est un plaisir pour nous rencontrer PMNA avec tous les responsables. Pour nous faire journée de chance, ça, journée de travail, ça, que nous pensons que le pays a gagné pour lui satisfaire et bénéficier du travail ça que nous faisons journée aujourd'hui si tout le monde respecte effectivement ça qui dit dans la loi. Merci. Ok, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.